Elle avait été écartée de la compétition pour devenir Miss Monde en 2015, mais Angela Ponce n'a pas baissé les bras. Encouragée par le changement du règlement, elle a remporté le titre de Miss Univers Espagne et participera donc à la prestigieuse compétition internationale. Une pionnière et un symbole. C'est ce que semble incarner Angela Ponce, sévillane de 26 ans qui va représenter l'Espagne à l'élection de Miss Univers. Elle a réussi ce que personne n'avait jamais fait avant elle, souligne El Mundo. Être la première femme transgenre à remporter le titre de Miss Univers Espagne. Élue le 29 juin dernier, elle va désormais concourir à la prestigieuse compétition internationale. Un doublé historique qui vient largement apaiser le goût amer que lui avait laissé, en 2015, son échec aux portes de la finale de Miss Monde Espagne, même si, déjà, elle était alors la première femme transgenre à concourir. En 2015, la jeune femme avait en effet participé à l'élection de Miss Monde Espagne tout en sachant qu'elle ne gagnerait pas, puisque les organisateurs ne reconnaissaient pas les transgenres. Trois ans plus tard, la top modèle tient sa revanche puisqu'elle concourra au titre de Miss Univers aux côtés de 89 autres aspirantes. Ce concours de beauté autorise les candidatures transgenres depuis le scandale Jenna Talakova en 2012. Cette année-là, Miss Univers Canada avait été disqualifiée pour ne pas avoir informé les organisateurs de son changement de sexe. Après un tollé général, elle avait finalement pu réintégrer la compétition, qui a ensuite modifié son règlement concernant la participation des transgenres. Une leçon de tolérance et de respect. Pour le moment, la date et le lieu de la 67e édition n'ont pas encore été communiqués. Mais Angela Ponce prévient dans une interview donnée à El Correo, « Si je gagne, ne comptez pas sur moi pour être la Miss typique appelant à la paix dans le monde. » Elle entend même mener la guerre, à l'intolérance. Pour l'ouverture d'esprit, le respect, l'amour de soi et des autres, ajoute-t-elle. Ma victoire, au concours de Miss Univers Espagne, je ne l'ai pas voulu seulement pour moi, mais pour tous ceux qui dans le monde entier m'écrivent et rêvent de voir leur situation changer. La mannequin considère cette élection comme l'occasion de poursuivre l'engagement qu'elle mène depuis plusieurs années. Elle effectue des actions de sensibilisation et d'information sur la transsexualité auprès des jeunes. Et d'ajouter, comme le rapporte la Vanne Guardia, qu'elle y voit aussi l'opportunité de donner au monde une leçon de tolérance et de respect, envers soi-même et envers les autres.